Ça va, ouais. Je suis avec les Yamakasi, carrément. Je n'ai pas peur de me mesurer à des athlètes de poids. Arrêtez de faire les fonds derrière. Marcus, l'art du peu bon. Les Yamakasi, c'est l'art du déplacement de rue. C'est votre sport. C'est pas la même chose. Moi, c'est un sport de gros. Vous, c'est un sport d'athlète, carrément. Vous faites des trucs déments. On a vu des reportages un peu sur Game One. Vous avez peut-être vu l'interview. Le principe, c'est quoi, en fait? C'est de sautiller. Ouais, de se déplacer dans un milieu environnant. Et de passer les obstacles qui peuvent se présenter, en fait. Et d'avaler le béton avant qu'il avale le béton, ouais. Avant qu'il nous avale. Avant qu'il nous avale. Donc l'idée, c'est faire des acrobaties dans la rue. C'est super spectaculaire. Ça passe aussi. Très très bien. Et derrière ça, il y a une vraie philosophie de la vie, presque d'arts martiaux. En tout cas, de bon copinage et tout, ça se voit. Ouais. Et donc, puisqu'on est entre copains, on va se marrer, on va se latter à Power Stone 2. On peut jouer à 4, donc on va faire des petits tournois. Et on va se latter, chacun a ses personnages favoris. Vous êtes assez fanat de jeux vidéo dans l'ensemble. Bon, calmez-vous derrière, ouais, là. J'ai acheté le dernier Spider-Man. Ah ouais, bien, ah ouais. Moi aussi. J'ai vraiment acheté avec mon argent, vraiment, j'ai toujours, c'est vrai. Et t'es loin, alors, dans Spider-Man? Ouais, j'ai bientôt fini, là. Ah, carrément. Ah ouais, je passe au moins une heure par soir, tous les soirs, dessus. Et ça correspond presque à ce que vous faites dans la vraie vie. Il a des mouvements déments, quoi. À part la toile. À part la toile, ouais. Le reste, tu peux faire, quoi. Si on t'achète un costume d'araignée, tu fais. Non, non, pas jusque-là. Ok. Ah, j'ai oublié de présenter les petits gars. Je vous dis leur prénom. Il y a Malik et il y a. Arrête. Il y a Charles, il y a Guilain, il y a Laurent et Chaud derrière. Je me mélange des fois un peu avec les prénoms. C'est pour ça qu'ils se moquent de moi. Ils ont la même tête. Vous allez nous laisser, les gars. La même tête, mais c'est pas clair. Donc, on va commencer par jouer à 4. Donc, on va abandonner Chaud et Laurent pour Chaud le moment. Chaud et Laurent. Je vous précise que. Amusez-vous bien. Merci. Vous restez à côté, les gars. Vos micros sont branchés. Vous pouvez vous moquer de nous si vous avez envie. Ah, pas le droit. Donc, moi, je suis joueur 1. Je vais prendre Falcon. Tiens, voilà. Je serai habillé en rouge. Comme ça, si vous voulez me taper, vous saurez où je suis. C'est que c'est le rouge. Malik Wang Tang, c'est son préféré. Chemise blanche, genre Jackie Chan. T'aimes bien? Ah, ouais, vraiment. Ça va être un modèle pour vous, j'imagine, Jackie Chan. Ce que vous faites. Wow, non, il est naze. Il est vieux. Il est vieux. S'il plaît. Il est impressionnant quand même. C'est facile. Ah bon, on l'admire beaucoup. Ouais, franchement. Ouais. Non, c'est vrai, je trouve qu'il y a des trucs, ça ressemble à ce qu'il fait. Et c'est super impressionnant. Bon, Charles Guilain, là, on est plus. C'est qui a pris l'enfant, là? Vous essayez de prendre tous les deux le même joueur. C'est qui a pris l'enfant? Alors, décidez-vous. Attends. Mais non, qu'est-ce que tu fais? Voilà, ne bouge plus. Don't move. Charles va à droite. Donc, voilà, ça, voilà, voilà. Et choisis un gars, t'appuies sur A. Ouais. Voilà. C'est bon là. T'as la prochaine cuisinière. Non, attends. Malik, tu me gênes là, merci. Ça y est, tout le monde y est? Ça y est. Bon, bah c'est bon, donc maintenant il reste plus qu'à choisir un niveau. Guilain essaye de te dépasser. Alors, c'est qui le joueur 3? C'est Guilain. Guilain, choisis-nous un niveau. Choisis un niveau. Pas celui-là, hein, pas celui-là. Celui-là, tiens, viens, celui-là. Ouais, c'est celui-là. Voilà, appuie sur. Là? Là, arrête de bouger. Attends. Je l'aide un peu, voilà, parce que moi je suis. Il a des problèmes. Et on va se latter. Donc on va regarder. Chacun va dire son nom quand il va voir son personnage. Comme ça on va savoir. Et ça permettra de se repérer un petit peu. D'accord. Pas de problème. Le combat sera moins confus. Encore c'est toujours le bordel dans ce jeu, mais c'est vrai qu'il y a plaisir. Alors, le rouge c'est moi. Est-ce que ça commence par moi normalement? Oui, ça c'est moi. Voilà. Marcus. Ça c'est moi. Voilà. Allez, Guilain, oh. Et là, c'est Chaud. Quel ressemblance. Ah, Guilain, il y a quelque chose dans le physique. Tiens, viens par là, Guilain. J'ai deux points à gagner, justement. C'est parti, là. Alors, on peut faire des alliances Charles, de lâche. Charles, arrête de me taper. Parce que la philosophie... Ah, mais je suis jeune, toi, là. C'est ça que tu sais pas. Mais c'est qui me course avec son épée, là? Et hop, là. Et un rugby, hein. Ok. Non, mais dans la vie, j'ai pas d'artage, là. T'as une petite barbe, ouais. Et il paraît que t'avais des dreadlocks il y a pas longtemps. Ouais, j'ai coupé. Voilà, tout coupé. C'est fini le reggae, ça y est. C'était chill. Ouais. C'est techno cette année, donc voilà, il faut s'y mettre. Non mais. Hé, hey, qu'est-ce qu'il m'a flatté avec son marteau là? Oh là là, je sais pas. C'est qui le ninja? C'était Bon là ça suffit, hein. Moi je vais me fâcher. Charles, tu me tapes pas. Allez, je vais faire sortir le dragon là. C'est qui qui est en train de tabasser là? Oh, il y a une explosion monstrueuse. Ouais, rien fait, Malik. Ouais, bah, chacun pour sa peau. Ah, faut partir. Ne restez pas là. Ça va tomber, tout va tomber. Attention. Mais moi j'arrive pas à partir là. Ah, moi non plus. Attention, il y a une grosse boule comme dans Indiana Jones, là il faut courir. Attention, le temple des périls. Ah, attention.
J'ai pas le temps de... Attention, vas-y. Donc on peut continuer à se mettre pendant ce temps-là. Si j'arrive à trouver la touche de saut, ça me fait extrêmement plaisir. Ça peut-être un autre jour. C'est la touche A. Allez, je t'aide. Ah, merci, merci, Charles. Sauf que ça marche pas chez moi, c'est horrible. Appuie sur tous les boutons. J'essaye. Oh merde, je suis tombé. Il m'a attrapé. Il m'a attrapé, Guilain, avec son cuisinier là. Je suis où là? Donc on voit ces personnages qui bondissent dans la vie. Vous faites quoi ça, là, le piment, ça a été fait. Il y a un tic-tac. Je ne sais pas. Ça te fait courir plus vite, peut-être. Et ça ravage les slips en général. Le piment, c'est ça. Ah, on va changer d'endroit. Donc on va se latter un petit peu. Et je vais taper l'enfant. Allez, quel meilleur gagne? Bah, ça va pas être moi, donc. comme d'hab. Ah, j'ai réussi à trouver un sabre. Le cuisinier est fini, là. J'essaye de le découper en morceaux, mais il n'y a pas grand-chose à faire. Putain, il y a plus de... Oh, le ninja. Il est chaud, le ninja, il a un gros truc. Oh, c'est quoi ce truc-là? Si le décor se met contre nous, d'habitude c'est vous qui utilisez le décor, là c'est un peu... Bon là je suis fâché, là j'arrive. Bon, moi je suis très énervé aussi. Ouais. Voilà, je fais mon super truc de la mort qui tue. J'avais les 3 diamants. Tout ça partout et tout. Dis, ah! Parce que dans attendez, Power Stone, là. J'ai laté quelqu'un là, je me rappelle pas plus que c'était. Ah, désolé. Dans Power Stone, faut choper 3 diamants pour pouvoir faire des super trucs après. Et là, j'avais les 3 tout à l'heure. Ah, bah là, je vais attraper les 3 là. Tu m'as dit que t'as une Dreamcast chez toi en fait. Ouais, c'est pour ça que... Regarde, boule universelle. Ah! Digidi. Boule universelle. Oh, t'as vu, c'est génial. C'est le terme technique. Et bien, il reste plus que. Les gars, je crois que j'ai l'écran. Bah, je crois que t'es mort. Quelqu'un a gagné. Alors qui? Oui, c'est, moi. C'est déjà fini. Bah oui, c'est moi. Je sais pas. Ah, c'est Malik. Victory. You win. Et c'est changé entre temps. T'as racheté ta chemise. Ah grave. C'est terrible. Donc on va changer de personnage. Là, t'es trop bon, donc t'es obligé de partir, Malik. T'as vu, je me taille parce que je suis tellement bon. Donc tu vas revenir comme t'as gagné. Donc Chaud et Laurent. Bonne chance, les gars. Ça fait 3 fois que je suis en train de vous latter. C'est vrai que on a fait 2 enregistrements avant qu'on ratait, pour tout vous dire. Et voilà, du coup. Du tabassage en direct. C'est Malik qui avait gagné. Est-ce que je peux dire que j'avais gagné une fois? Est-ce que vous pouvez confirmer? Non, c'est mort. Un bon de lâche. Non. Je croyais que vous aviez une philosophie d'honnêteté, voilà. C'est bon, Laurent? Non. Vas-y, c'est bien. Jamais les biens, ton bon. Combio, ça y est, tout le monde a son gars. Attends, moi j'ai Captain Igloo, je sais pas quoi. Le truc. t'es le joueur 3, Laurent, c'est ça? Ouais, ah non, pas lui. T'es pas en foi. Donc pas Pet, pas Jack, Rouge peut-être. Ah oui, non, ouais, c'est l'Indien, donne-moi l'Indien. Ah bah non, tu l'as déjà. Lui, voilà, il a Gunrock. C'est bon. Voilà, Gunrock, c'est parti. Alors, le joueur 3, c'est Laurent. Tu choisis un niveau? Voilà. Ah, on vient de le prendre. Bon, c'est pas grave. On va changer. On va garder le même en fait. Okay, donc voilà, donc vous êtes des grands sportifs quand même, ça m'impressionne moi ce que vous arrivez à faire. On a fait de la danse classique, de la console. Alors allons-y, c'est parti, on va se relater. Oh, Marcus, là, c'est qui le cow-boy? Ça c'est... ouais. C'est chaud, là, ouais. Là c'est Laurent. Et Charles. Charles qui est resté parce qu'il a le siège qui bouge pas. Voilà. Ça, c'est pas parce qu'il a gagné, faut le dire. C'est de la triche. Voilà. Oh, bien, hein, comment je t'ai acheté, trop marrant. Là, il est super. Hein. Oh, c'est super. Putain, mais merde. Mince. Tiens, prends la barre de fer. Oh là là, et maintenant, même le décor se... Mais attends. Le décor est un adversaire décor... aussi. Ouais. Mais dans la vraie vie, comment vous faites pour utiliser les décors? Le décor, il est moins violent que ça. Il t'attaque pas. Vous êtes rarement attaqué par une cage d'escalier dans la vraie vie, ouais. Regarde, je suis en train de tuer tout le monde. Putain, y'en a, elle a sorti sa mobilette. J'y vois plus rien tellement ça explose de partout, mais... Voilà. Alors ça, c'est bien Laurent, le rocher. Bon, un rocher pour taper les gens. Oh là là, ça chauffe pas mal. Attention, le sol va s'écrouler, il faut s'en aller, les gars. Ah, ça, faut s'en aller. L'Indien est s'énerve. Sur la droite. Ah, Falcon, il est tombé. Oh là, alors attention, là, on est poursuivi encore par la grosse boule de Indiana Jones. J'ai enfin trouvé ma touche de saut. Ah oui, trois prises, oui, ça y est. Je vais pouvoir me sauver. Il est où l'Indien là-dedans, là? Je sais pas, mais on peut continuer à se frapper tout en courant. C'est ça qui est pas mal. Ça, c'est cool. L'Indien, tu vas te faire tabasser. Non, parce que je saute. Donc vous frappez pas dans la vie, vous comptez de courir et de sauter, vous êtes vraiment super pacifique et amico. On a un esprit sportif très développé. C'est vrai que ça fait plaisir à voir et chez vous, fair ça, play. Je trouve. Ouais, à part quand vous vous jetez tous sur moi dans Power Stone, vous êtes fair play, ouais. C'est pas la réalité. Ce n'est plus la réalité, là. C'est où, c'est à gauche? Donc vous vous défoulez, comme vous êtes gentil dans la vraie vie, voilà. Vous êtes chaud, c'est la bravo, les gars. Il y a du tabattage. Voilà, tabattage. La petite ça doit être un. Chaud, t'as une contraction de tabataka. Chaud, ok, bon les gars. Tabata sur console. Tabata grave. Tu sais, ça vous dirait pas d'être les vedettes d'un jeu? Parce qu'il y aura des trucs à faire avec ce que vous faites, nous quand même. Ah, Nicogite, on y cogite. C'est vrai, vous y pensez? C'est une super idée, hein.
on a même fait la Tabata. Pour qu'elle participe avec vous. Je crois que tu ressembles à Tabata Cash. Ok, c'est parti. Okay. Qui est-ce qui m'a mal parlé là? Oh là là, oh, c'est qui le Laurent, c'est Laurent. C'est Laurent. C'est qui? C'est quoi ça? Laurent, il s'est énervé là. Putain, il y a du tabatage. Balance des rochers. Mais les gars, il y a du tabatage. Il y a quelqu'un qui est mort là. Du sec. Ouais, c'est dur. Wow, c'est dur. Bah, je crois que je suis mort. Donc, sur toi, t'as une PlayStation, toi? Moi, j'ai une PlayStation, une Dreamcast et une Nintendo 64. Gosse de riche. Ah, les apétards! C'est tombé du camion. Non, et laquelle tu préfères? Ouais, ça va pas, là. C'est abusé, il y a carrément mon âme. Oh non, c'est de mon quoi corps. Ça? Et c'est qui le gars là? Regarde les gars, c'est chaud, t'as sorti sa moto. La roulette russe là. Regarde, je suis en train de tirer partout. Et tu joues avec laquelle tu joues le plus? La Nintendo, la PlayStation, la Dreamcast? Aucune des trois. La Dream, la Dream. T'as pas le temps? T'es tout le temps dehors en train de sautiller? Ouais. Je sautille de temps en temps. Malik, il est fan de la Dream. J'adore. Regarde les graphismes. Bah, c'est vrai que rien à voir avec la PlayStation. Bah, on verra la PlayStation 2 ce que ça donne. Tu vois même pas les coups de selle sur la PlayStation, tu vois les carrés. Mais là, on comprend même plus. Qu'ils ont placé derrière. Ah, sudden death, c'est-à-dire qu'il va falloir aller très vite. Je sais pas qui reste. Faut que quelqu'un se fasse tabasser la tête. Ouais, ça doit être un truc comme ça. Il a trouvé. Mort subite. Ah, fini. Alors KO, on sait pas qui a gagné. Marcus qui a gagné par mort subite. Non, il y en a deux en fait. En deux, égalité. Ouais. C'était qui? Voilà. Alors il y a Laurent. C'est Laurent? Et Laurent, c'est moi. Maintenant, casse-lui de la tête. Alors c'est super embêtant parce que du coup, on peut pas savoir qui a gagné. Non, mais vas-y, je te laisse. À moins qu'on fasse un truc entre Laurent et moi. Non, vas-y, je te laisse. Entraîne-toi un petit peu avec lui. Bah, Laurent, t'as peur de la victoire. Qu'est-ce qui se passe? Non, je te laisse t'entraîner. D'accord, on fera un petit match tous les deux alors pour régler ça tout à l'heure. Et puis j'ouvrirai les yeux quand je vais jouer avec toi. Bon, ça va un petit peu. Bon, allez, deuxième match. Reprenons les choses comme elles étaient. Alors, on va changer de niveau ce coup-ci. On va pas reprendre le même. On va essayer. Il y a quelqu'un qui a bloqué sur la console. Rien maîtrisé du tout. Il y a quelque chose qui bouge. Il y en a un qui appuie sur un truc. La play, la console, elle bug. Non, mais attends, c'est peut-être une des cartouches. Le numéro 3, là, qui est sur le numéro 3, c'est Guilin. Guilin, qu'est-ce que tu fais encore? Voilà. Oh là, et ben voilà, on a appuyé sur un truc, on sait pas ce que ça va donner. C'est pas grave. Et voilà, il a choisi un niveau qui est pas joli. On a tout blanc là. Hein. C'est un menu là. Non, ça c'est toi. Ah, ça c'est moi, le cowboy. C'est moi, le cowboy. D'accord. Je voulais pas être le cowboy, mais c'est Charles. Charles, t'es resté Charles. Voilà. Non, c'est l'Indien Charles. Ouais. D'accord. Quoi, j'ai une balèze. C'est bien ça. Donc voilà, Guilin, un gros balèze. Tous les jours, regardez comment les Yamatas ils jouent. Bah non, je suis très mal. Donc, ah ouais, on voulait faire un avertissement parce que ce que vous faites c'est super spectaculaire et hallucinant, mais on voulait prévenir les petits gars qu'il fallait pas qu'ils essayent de faire pareil comme ça. Il y a beaucoup d'années d'entraînement derrière. Ça fait combien de temps que vous faites ça? Ouais, depuis 10 ans déjà quand même. Ah la vache, vous avez commencé bébé alors. Ouais. Donc, et vous entraînez combien de temps par jour? Comment ça se passe en fait? Il n'y a pas vraiment d'heure, mais ça se fait pas comme ça en sortant dans la rue quoi. Non, d'accord. Ah non, c'est clair. De toute façon, vous avez monté une association, en fait. On peut aller faire les amis avec vous. On n'est plus en association, on a une société maintenant. Carrément. Des sociétés, il y a une start-up. Non. Ce n'est pas Internet. Et donc, on peut aller s'entraîner avec vous, vous donner des cours, comment ça se passe? Non. Pas encore. Pas pour l'instant. Vous n'avez pas le temps, en fait, parce que vous faites plein de trucs, des pubs, du ciné, des spectacles. Oh. Vous avez fait Notre-Dame de Paris? Ouais. Entre autres, ouais. Oui, ça s'est très bien passé. Est-ce que vous avez rencontré Patrick Fiori? Comment? Patrick Fiori, il jouait dedans, non? Ouais. Je crois. Hein. Vous avez échappé ou vous l'avez vraiment rencontré? Non, tous les soirs. Ah, tous les soirs, c'est tous pas les pire soirs. Que Lara Fabian, mais j'aurais du mal, moi, quand même. Tous les soirs, Patrick Fiori, 3h. Bah, Patrick, si tu nous regardes, salut. Hein. Patrick, pas. Moi avec la moto là je vais aller Mais qu'est-ce que c'est que rappelle pas de la banane brosse. À Montréal. Qu'est-ce que tu fais des trucs là? Tu viens de balancer un truc là, Charles. La balance un dossier là. Là. Jamais il comprendra. Il s'est passé des choses entre Patrick Fleury et une banane à Montréal. Avec Charles. On vous en dira plus. Et avec Charles. On vous en dira pas plus. Ils ont utilisé des instruments. Non, je crois qu'il faut t'expliquer. Tous les gens qui matent l'émission, Charles rigole. Non mais il y a vraiment une banane à Montréal. Ah ouais. Peut-être même plusieurs. Donc bon voilà, vous préférez garder le secret sur cette histoire, ouais. Je comprends. En même temps.
Mais bon, faut pas vous empêcher de perdre. Laisse-moi monter sur le bateau là. Mais pas du tout, non. Reste en bas sur l'iceberg là. Non mais là, Titanic. Je ne sais même pas qu'est-ce que je suis en train de faire là. Eh bien, si t'es l'Indien, tu viens de me jeter une espèce de bombe. Voilà. Ah, ce que désolé. Non. Là, t'es tout en haut, je sais pas ce que tu t'échappes. Ouais, je suis tout seul. Allez, ça c'est fait là. Viens, mais Malik, il arrive, descend. Ah, je suis tombé. Malik, il fait rien qu'à se transformer. Bah ouais, ça a attrapé les rubis. Ah oui, c'est vrai que c'est le but du jeu quand même de Power Stone. Là, nous, on n'applique pas trop les choses, mais... D'où le nom Power Stone. Oui, oh, joli. C'est moi. C'est toi aussi. Oui, bah attends, je suis content, j'ai l'impression d'être figurant dans le jeu depuis tout à l'heure. Oh, moi, je fais un truc qui énerve tout le monde. Là, j'ai un espèce de gros balai. Attends, je vais tous vous taper, vous allez voir. Ah, allez, hop, il y en a un qui est mort, là. Oh, là, c'est moi, c'est moi. C'est qui le deuxième? Quelqu'un en train de me faire un truc redoutable. C'est moi. Je ne survivrai pas au deuxième match. Non, non, pas encore. Bah, c'est qui le premier joueur là qui est mort? Ah, bah Marcus, il a gagné en perdant. J'ai... Ouais. Mais t'as perdu. Ah, moi, j'ai perdu. T'es obligé de sortir, quoi, pas gagné. Hein. Bon, bah, vous animez sans moi, alors. Allez. Je vais me cacher, je vais me mettre bon, ça y est, voilà. C'est Léa Macassi qui contrôle l'émission maintenant. Animateur. Bon alors, j'ai le contrôle de l'émission Game One, Level One. Mais non, ça s'appelle Yamakasi, ça s'appelle Yamakasi One. Bon, c'est qui je t'attends là? Ouais, j'ai encore gagné. Malik, encore. God damn. Incroyable. Incroyable. Incredible. Il est super fort. Il a changé de personnage. C'est qui là le cowboy? C'est Malik? Bah oui, attends. T'as mal. Hey Malik, t'es comfortable. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je ressors? Est-ce qu'on fait. On va faire une bagarre entre Laurent et Malik alors du coup. C'est voilà. Logique. Ça va tâtonner. Donc nous on va juste les encourager. On va prendre juste deux joueurs. Je vais le laisser gagner. Alors on vient Laurent. Parce qu'il me aussi bien derrière. On va se débrouiller. Parce qu'il me quoi, le quoi, quoi? Je vais te laisser gagner parce que Miskin t'a. Alors prenez tous les deux une manette. Qui ça? Toi. Bah, laissez-leur une manette ou deux. Ouais, laissez-leur peut-être la place. Ah ouais. Voilà. Mets-toi debout. Merci, Kabila. Ah, Charles, ça y est, ça va. Depuis tout à l'heure, il est derrière moi, Charles. C'est pénible, hein. Merci. Donc, alors attends, parce qu'il faut que nous, on joue pas. Alors, je sais pas comment on va faire ça. Mais si, c'est pas grave. Computer, no entry, voilà. C'est non, qui l'autre? Si, c'est vous les deux champions. Non, mais il faut du monde. Donc, chaud, faut pas qu'on joue, nous, tous les deux. Je sais jouer. Donc, mets-toi, voilà. Mais on sait que c'est nous les champions, donc on va vous laisser jouer. Non, allez-y, tous les deux, là. Choisissez chacun un gars. Comment on fait pour choisir? On saura qui est le maître du monde. Laurent, t'as gagné, tu sais pas comment on choisit. C'est incroyable. C'était un coup de chance. Bah ouais. Donc, Malik, on va avoir un temps comme d'hab. Gunrock, là, je sais pas quoi. Ouais, voilà, j'ai tant, là. Allez, c'est parti, choisissez un niveau. Ah, mais attends, mais Malik, il a dormi avec ce jeu. Essayez de prendre ce niveau-là. C'est quoi, j'ai pour Stone, si tu peux. Voilà, ça va. On n'a pas eu celui-là encore. Donc, mesdames, messieurs, le match au sommet entre les deux meilleurs des Yamakasi. Ça va pas Laurent et Malik. Il y a du tabac. Paris reste pour Malik parce qu'il a la console à la maison et qu'il est quand même chaud. Non, mais je vais le laisser gagner parce que. Alors attention, c'est très chevaleresque comme esprit chez les Yamakasi. Donc, parce que lui, d'où ça vient le mot Yamakasi au fait? Bah, c'est du Zaïrois. Zaïrois. Mais du dialecte. Du dialecte. Du dialecte. Lingala. Tu veux dire esprit. Esprit fort. Ouais, esprit ça, fort, c'est représentatif. Fort, corps fort, c'est en Zaïrois. Fort, tout ce truc en fort. Non, en fait, c'est l'esprit quoi. C'est l'esprit. Et c'est le mélange des deux. Yamakasi, c'est la signification, c'est esprit fort, homme fort, corps fort, on zaïra. D'accord. Répète en répépite. Et voilà. Regarde, c'est pas il a le bâton. Comme ça sonne fort, on zaïra. Bah on l'a choisi, hein. Eh mais faut vous. Faut donc ça ne vient pas de Yamakasi une cheville, on se tend du balcon d'un grand migraine. Non, c'est pas du tout, non. Vous devez vous faire mal quand même des fois, non? Non. Vous êtes cassé des trucs ou pas? Ça doit arriver quand même. Eh mais... Oh, il ment, il ment. De temps en temps. De temps en temps. Voilà, mais comme pas. Vous êtes bien chauffé, bien. Ah, mais toi, tu triches, toi, tu utilises. C'est quoi ces boules chelou là? Bah, alors, Laurent, ça donne quoi là? Il te maîtrise ou pas? Je dis quoi encore? Je suis en train de lui tabasser sa caisse. Attends, ah, mais Laurent, il récupère les armes. Bah, oui. Il a raison. Bonjour à tous les fans de Yamakasi. Regarde la mafia là. Dieu ne m'a pas. Alors, vous appréciez beaucoup. Avec Marcus, qui s'est fait lyncher depuis tout à l'heure. Ah oui, moi, ça y est. Mais tu sais, j'ai une sale réputation. De toute façon, c'est un très bon joueur, donc il est bon. Ça me dérange pas. Oh là là, il a les trois diamants bientôt, Malik. Et il va s'énerver. Tu devrais l'empêcher, Laurent, de choper le dernier diamant. Ah merde, je suis tombé. C'est toi qui l'arme. Oh là là. Ça devait faire mal. Donc après ça, on saura enfin qui est maître du monde des Yamakasi. Master of the World. Putain, merde. Vous faites des défis entre vous, non? Voir qui est-ce qui saute le plus haut, tout ça? Ou c'est vraiment... Non, pas comme... non, c'est pas comme ça, ça marche pas comme ça. C'est l'esprit d'équipe, vraiment. Ouais, c'est pour aller plus loin, pour, là, c'est transformé. Pour progresser, pas pour... Pourquoi t'envoies pas les pierres, là? Ah, voilà. Pour savoir qui est le meilleur ou... Ah, c'est que t'as bien les rochers, pour la progression, quoi.
Et c'est faire les trucs ensemble entre potes, on aime bien potes aussi. Oh, mais attends, mais ouais, bon faut esprit, combattre quoi. Le monstre ensemble. Quel monstre? Regarde, le monstre très très méchant. Ah, ok. Bon, t'as plus de rubis là, bah, viens cramer maintenant. Oh, ça se suit. On a oublié de vous dire que, en fait, Mali qui fait les voix de South Park. Alors, fait le rôle de Pascal Ladal. Ouais, c'est moi Pascal Ladal. Il y a Guilain et Charles qui font très bien Fort Boyard aussi. C'est le vieux. Faites attention, mes enfants. Déplacement. Faut pas sauter comme ça, car c'est dangereux. Parce qu'on a 10 ans de pratique. Mais qui tabasse avec un cri là, c'est quoi ça? Ça fait vraiment perforas, ça, y a pas de but. Ah ouais. Perforas, en version black. Zahir. Merci, Lazi. Il y en a un qui a les diamants là, Laurent. Ah oui, regarde, il lance des rochers. Ah bah oui, il est tout bleu comme un chou. Son problème, il Il a gagné. Comme on a dit, hein. De toute façon, tu as gagné. Malik, regarde-toi. Oh, t'as peur toi, Malik. Oh, tu vas aller m'entraîner. Malik, tu me laisses comme ça. Eh ben, vous pouvez revenir peut-être. Donc, vous allez vous rebattre. On va se battre pour de vrai là. Bien. Bon. Donc on va refaire. Ils sont en train de se battre pour de vrai dans les coulisses. C'est incroyable. C'est moi qui tiens tout là. Donc Malik, grosse déception quand même. Ça va. Salut Malik. Direct live à la télé. C'est juste un peu la honte par rapport à ce que tu nous habitues à des trucs super. La chouma là. Incroyable. Je vais garder Falcon comme ça pour me taper dessus. Ah, je passe lesquels joueurs, mon numéro. C'est quoi? Vous savez quoi? Je vais laisser gagner parce que. Attends, moi, j'ai pas choisi. Vas-y, choisis ton bonhomme. Venge-moi, venge-moi. Pour te venger, je vais regarder celui-là. Il y en a un qu'on a pas fait encore. Ok, c'est parti. Donc, attention, un nouveau match, on va voir ce que ça va donner. Et vous jouez entre vous à des jeux vidéo, non? Vous avez un truc préféré? Ouais. Genre Mario Kart, je sais pas. Mario Kart. Parce que t'as tout, toi. Ça existe plus, ça, non? Mario Kart 64. Ah. Ça, c'est Charles. Ça, c'est Ciao le balèze. Charles, t'as le gros? Bah ouais, j'ai appris la suite de Laurent. D'accord. Moi, j'ai toujours des problèmes. Je me vois pas. Je vais venger Malik. Venge-moi. Attendez, je suis où, moi? Alors attends, arrêtez de taper un peu. Tu dois être le ninja vert. Je pense. C'est moi le ninja vert. Ah non, non. Donc tu as celui qui avait Malik, donc le mec avec la chemise blanche. Voilà. Oh là là, mais il est super énervé le bleu là. Ah oui, je suis énervé là. Encore lui, tu vas en fait faut prendre le bleu pour gagner. Je viens de comprendre un truc là. C'est dur. Non, c'est parce que lui il donne des coups même quand il a pas de diamant, il fait mal. Oh, j'ai trouvé un flingue. Il fait mal. Tu m'as tué avec des violents. Est-ce que quelqu'un veut tâter de mon maillet? J'ai un énorme maillet. On va en profiter un petit peu. Charles, il se met toujours en boule. Toujours nerveux le Charles. Attention, il faut sauver les gars. Et Charles, il est resté en haut comme un idiot. Il fallait rester en haut. Il fallait essayer de monter. Non, mais il a raison. Bah oui, j'avais raison. Il faut suivre. Ah, il est fort le Charles, hein. Y a pas de doute. Là, mais il est en train de me venger. Là, je suis chargé d'une mission. Venge-moi. Et je dois m'y tenir. Et rien de me faire reculer. Elle me dirait que c'est... Oh, il y en a un qui a été assommé, je sais pas qui c'était, le jaune. Il a été écrabouillé par la boule. Moi, je me sauve là, je pense. On dirait que c'est même pas le discuter. Et le vilain, ce serait pas toi qui a disparu. Peut-être là, t'es un peu le petit gros, là, voilà. Non. Juste pour le passer. Ah, ok, Marquise, d'accord. C'est Charles, c'était toi, Charles. Quel hasard. Attention, faut sortir dans le fond de l'écran, là. Faut pas bouger tout droit. Non. Qui c'est qui est tombé? C'est toi. Moi, encore. Raisonnable, Charles. Bah, toujours. C'est bien, comme dirait Mané. C'est bien. Allez, ça continue la bagarre. Venge-moi, tu perds. Je ne sais guère ce qui t'arrivera. J'arrive pas à choper des trucs. Qu'est-ce qui m'arrive? Oh là là. Puis sur le bouton. Je vais me faire charcuter. Mais lequel? Moi j'ai une manette, y'a pas des boutons, y'a pas les couleurs des boutons. Ah ça y est. C'est qui vient de mourir là? Je sais pas, mais il reste plus que Charles et moi, donc il va falloir que je m'énerve. C'est impossible. Eh ben écoute. Je suis en train de voler, je sais pas pourquoi. Mais Charles, il faut le battre là. Ouais, mais on est tous pas venu, c'est pour rien. Représente. Représente là. Voilà. Allez là. Allez, représente. Et tu vaux plus alors, vas-y. Venge-moi, regarde. Charles, tu reviendras-tu à venger Malik? Charles, en regardant Level 1. Prends les rubis. Non, prends pas les rubis. N'écoute pas. Attends, prends les rubis, ça. J'ai pris une grosse rubis. Oh non, non. Ah, je tabasse fort. J'arrive même pas à te taper. Attends, moi aussi je peux prendre les rubis si je veux. Vite. Attends. Et voilà, et maintenant je suis très énervé. Oh là là. Je vais chercher.
Oh là là, et voilà. Non. Et ça, allez, voilà. Attends, mais attends. Là, j'ai trouvé un truc monstrueux. Voilà, ça y est. Il est pas mort encore. Ça fait pas Marcus, franchement. Ah, je suis désolé, mais voilà. Allez, vas-y, t'as pas de tout là. Attends, attends, attends. Oh, allez, tue-le. Oh, non, non, non. Ouais. Ouais, Yamakasi. Oh, belle danse de victoire. Ah, je suis super fier. Ah, bon, ah, voilà. Truc là. Bon, pas mal. C'était beau, c'était beau. Pas bien, c'est alors, voilà, c'est bon, on arrive à la fin. Tu dis d'être chevalier. Chevalier de la table. Bien. Revenez les gars, parce qu'on a fini en fait, ça y est. Donc on va juste prendre, on va prendre des tips pour finir, pour se mettre dans une bagarre, mais on a fini la table One. Ça passe vite avec vous, c'est trop bien. Voilà, chacun prend un gars, n'importe qui, on va peut-être pas se battre. Va... Ça y est, tout le monde a son gars. Ouais, ouais, ça y est. Attends, c'est qui le plus gitan? Il y a quelqu'un qui essaie de me piquer mon. Non, mon modèle. Ah, il y a le joueur 2 qui est sur le même endroit que moi. Ouais, je sais, attends. Ouais, je vais prendre. Malik, mets le gros. Ça y est, tout le monde. Ouais. Celui qui t'appelle le gitan, c'est lui qui t'a niqué. Il y a le jaune là, le jaune, il a pris. T'es où là? T'es où? Ouais, c'est moi. Alors remonte. Eh, mais vous avez changé tous les numéros là? C'est là? Ouais, c'est un peu. On a arrêté. Bon, je lance. Attends, vous avez plein d'enfants. C'est pas grave. De toute façon, c'est juste pour faire joli, pour se dire au revoir et pour vous remercier de venir, parce que c'était vraiment génial. Merci beaucoup, Marcus. Donc voilà, si vous connaissiez pas les Yamakasi, ça va vous donner envie. C'est des bons petits gars avec un super esprit. On était les Yamakasi sur Level 1. Merci à tous les gens qui nous aiment. Merci. Bon, ben nous vraiment merci d'être venus, les gars. Et puis, ben nous on se retrouve pour un prochain Level 1. Voilà, c'était les Yamakasi. Ciao. Ciao. Yes.